à mon époque. Les mathématiques. Ah! C'était la mort. C'était la mort. Ah! Oh, madame! Tu vas où? Papa, il faut danser les amis, on va finir par poser. Papa, on a vu le cancancé! Viens là! Viens ici! Avocat de Bouddha. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais je t'aime là dans la valise, tu envoies à Paris. Tu es mon avocat de Bouddha. Fariné comme le lignan blanc de Djombe. Les enfants, non? Hé, hey, Djombe, à votre époque, quand on disait l'école, c'est comme ça que la philosophie était compliquée. Je compose le bar, la philosophie m'a tapé, je suis stressé, je ne comprends même rien. Je suis dépassé. Papa, oui, la philosophie c'est quoi? À notre époque, nous on a fait le cours sur l'art. Hein? On ne connaissait pas les affaires de philosophie là. Quand tu as même le bar plus 50 là, tout ce que tu as comme le, les papas moto, les papas pousseurs, même les porteurs, c'est tout ça. Les affaires même des philosophies là qu'on parle aujourd'hui là. La philosophie là même c'est quoi? Es-tu dépassé comme ça? N'importe quelle question, peu importe la question qu'on te pose, tu réponds que la philosophie c'est l'art de mentir avec précision, tu sors sur les problèmes. Ah papa, papa, c'est ça? C'est quoi? T'es comme ça aussi philosophie. La mathématique, c'est quoi? Tout ce que tu as cherché X et Y, c'est
Si tu cherches X, tu ne trouves pas tout ça. On te demande la valeur de X. Si ça te dépasse, tu mets que X le voisin de Y. Voilà. La mathématique, c'est 10 plus 10 est égal à 20. Voilà. Ton problème, c'était quoi? C'était aussi la mathématique. C'est la philosophie. C'était l'anglais. L'anglais, alors non, ça m'a tué seulement. On dépose la copie d'anglais ici, là, et ça me regarde, je regarde ici. Vous êtes là pour parler l'anglais. Ce n'est pas Dieu qui donne ça. Ne pas dire que c'est Dieu qui donne l'anglais. Moi, j'étais en Angleterre. J'étais aux États-Unis, maman. Donc, Nami, il te parle anglais. Il te parle de vrai anglais. The doctor say if you want to learn to talk true grammar, hein, go for it. Où ça ne va pas, va à Bamenda, va à Kumba, va même à Ekondo Titi. Où tu vas mal en banque, comme ça, tu vas maîtriser l'anglais là. Je demande les filles, le bac là vous donne même quoi? Depuis comment j'ai fait le bac là, je suis tome 8. C'était ma 9e année. Ça m'a donné quoi? J'ai comme ça 8 étoiles. 8 étoiles sur le maillot. Voilà ça. Là, ici, là, vous jacassez. Je dis que maman, quand tu dis que c'est ta 8e fois là, c'est pour nous décourager, nous les jeunes, c'est pour que nous là on fasse comment? Quand tu dis que c'est ce n'est pas les affaires de découragement, c'est pour dire que quand on a déjà fini de composer, on oublie, on se retrouve ici comme ça là, on prend les comprimés de la soifine Gorgia, comme ça, chauffe le corps, on danse. Je ne peux pas être à côté d'un chou comme ça. Je me sens collé. Oh! Je viens prendre une. Hein. Je t'ai déjà dit de ne plus marcher avec ce garçon. Ça, c'est donc son degré d'irresponsabilité a dépassé le paroxysme. Qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Ici, on va y aller avec tes filles. Non, on était en train de faire les corrections du bac. Pardon? On faisait les corrections du bac. Tu me prends pour la femme la plus ridicule de la planète Terre. Non, quand je dis parce que la femme, c'est la femme qui composait le bac pour sa 8e année, je lui disais que l'épreuve de chimie, comme dans la chimie organique, on a parlé de fermentation qui part dans la bière, du solide incliné qui quitte en traversant l'angle de 30 degrés comme ça pour se retrouver sur une masse rovégée. Rovégée qui parle du thème de solide comme ça, là. Quand tu vois le solide ici comme ça, donc tu vois un peu comme ça. C'est ça dans la chimie organique comme ça, là, on faisait les corrections. Et preuve là, toi-même, mis ça. Arrête un peu. T'as soufflé. Explique-moi en français facile. Qu'est-ce que tu fais au bar avec mon mari et accompagné de toutes ces jeunes filles? C'est ça que je t'explique, qu'on a fait la correction des chimies. Elle est venue me dire que ça faisait la 8e fois qu'elle faisait le bar. Et comme dans la chimie, il y a une sorte de fermentation du liquide, comme on boit la fermentation rapide qui passe jusqu'à 400 degrés Celsius et fait un refroidissement rapide. Il a fait la philosophie et la chimie. Donc tout ce qui parlait là, ce n'est pas ça qu'on a fait à l'école. C'est ça. Ce n'est pas ça. On n'a pas fait ça. Donc c'est pour cela que je t'ai toujours dit que ma fille, quand on parle à l'école, il faut tout ouvrir les oreilles pour bien voir. Voilà le professeur. Mon ami, c'est ça, professeur. Okumbo, tu peux te taire. Pourquoi il ne t'a pas expliqué ce que c'est que cette chimie pour que tu viennes expliquer à ta fille à la maison? Tu as choisi de venir expliquer à d'autres filles au bar. Tu me prends pour qui? Moi, je voulais expliquer. Il a dit qu'apprends bien à la maison parce que quand le solide est incliné, passe sur une pente inclinée comme ça, là, sans glissement rapide, ça descend comme ça, ça vient cogner comme ça. Là. Et du coup, ça crée une sorte de dimension rovée sur le solide comme ça, en haut d'un liquide. Et comme on a voulu imaginer le liquide dans la tête, c'est pour ça qu'on a pris. Vous l'avez appris rovée à l'école? Oui. C'est pour cela que je voulais l'expliquer à la maison. Donc, avance-toi, je veux t'expliquer. Attends d'abord! Ouais! Maintenant, tu m'expliques quoi? Laisse qu'il finisse de m'expliquer. Je t'écoute. Comme je parlais du solide qui quitte de la pente inclinée, ça descend comme ça sur un angle de 30 degrés. Ça part sur le solide, ça vient taper comme ça là, sur un angle d'immersion rovégé.
tu vois un peu, Robert Jesus, l'exercice qu'on a donné. Et comme ça part comme ça, Robert Jesus, donc cette masse qui part comme ça, c'est la correction du bac, non, maman? Tu vois, c'est un bac que vous avez vu que vous venez faire la correction du bac. C'est parce que dans l'épreuve de chimie, on n'a pas parlé de la bière dans l'épreuve de chimie qui tue la fermentation rapide qui part jusqu'à 400 degrés de fermentation et descend un refroidissement rapide. N'est-ce pas, vous avez étudié ça? Non, on n'a pas étudié ça. On ne voit même pas le chapitre en terminale. C'est en première qu'on voit ça. Tu sais, papa? Même si il y a n'importe quoi, c'est bien parce que ton ami c'est le professeur de chimie. Ça veut dire que tu vas aller apprendre chez lui et venir transmettre à ta fille. Par conséquent, avance. C'est ce que je voulais faire. S'il te plaît, arrête ton discours. Avance. C'est ce que je voulais faire. Hein? Passe. Je reste avec maman. Donc vous avez vu que c'est au bar. Regardez-moi les bandes de prostituées comme ça là. Regarde l'autre là se cache. Tu te caches où? Tu te caches où? Non. Hein? Le problème. Ah, ben. Nyango. Oh, tu payes. Tu payes, non? Tu n'as pas quoi payer, hein? Hein? Tu payes l'argent. Mets l'argent ici. Attends, non, c'est. Tu as pu au moins un cadet. Mets l'argent ici. Mon téléphone, tu l'as pas coupé combien? Pas moi de Toronto. En tout cas, ça va. Bon, dès que je vais remettre. Non, je ne remets plus, tu m'as donné seul, ça va, c'est bon. Sors. Bon, le problème, c'est beaucoup moins, je mets quelqu'un dedans. Maintenant, tous les affaires de bas, comme ça, il va me rembourser mon téléphone.